Salut tout le monde, c'est AK36CW pour la 16ème partie de ce walkthrough sur le Misery Mode 2.1. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Ах, твою мать! Вот так. Нечего мне тут. Ну что, готовы? Готов. Отряд? Всегда готов. Я тоже готов. Ох, не нравится мне все это. Все готовы. Открывай. Ладушки, поехали! Вперед. Удачи вам, хлопцы! Bon. Avant de commencer cette petite expédition, il faut déjà se préparer mentalement à deux, trois petites choses. Premièrement, on est dans le Misery Mode, ce qui veut dire que les trois quarts, si pas l'entièreté de notre escouade, ne verra pas le bout du tunnel. Ensuite, on nous a demandé de prendre une combinaison scientifique. Pas spécialement nécessaire pour l'entièreté du tunnel, mais dans certaines zones, il y a des émanations chimiques. À ce moment-là, c'est mieux d'avoir une combinaison scientifique parce qu'elle va résister aux dégâts chimiques. Une combinaison normale, en 30 secondes, elle est niquée, même si vous ne perdez pas de vie. Et pour finir, nos alliés seront notre première source de danger, parce que tout simplement, on est dans un lieu confiné, et nos alliés sont codés de telle façon que, même s'il y a un mur, un stalker, ou même vous, entre eux et leur cible, ils n'en ont rien à foutre. Lui, avec son PKM, il videra un chargeur entier pour buter un rat, que vous soyez devant lui ou pas. Donc, la première source de danger, c'est vos alliés. Et la principale cause de mortalité pour vos alliés, ce sont vos propres alliés. Bon, ceci étant dit, je vais prendre un peu de chimiotrine, vu que cette combinaison n'a aucune endurance avec cette classe. Et également, dernière petite chose, si vous voulez conserver vos batteries, n'utilisez pas la Night Vision des combinaisons scientifiques, parce qu'elle est extrêmement gourmande. Посмотрим сейчас.
Je prends un peu d'avance, histoire de buter les Toscano qui se baladent par là. Pour éviter que mes alliés ne s'entretuent. Très bien, je vais peut-être tous regrouper ici. Ici, faites gaffe si vous avez vos alliés derrière vous, vu qu'il y a des snorks au plafond. Et généralement, les alliés les voient avant vous et vous tirent dessus en essayant de tirer sur les snorks. Qui vous tire dessus. J'ai pris une grosse bastos dans le cul. Heureux à ce point-là. Тут мне тоже не по себе как-то. Quatre ont survécu jusqu'ici, c'est vraiment très bien. Là, on peut équiper notre combinaison classique. Je vais voir si celle-ci est en préparation. 85, ouais. Toscano qui attendait juste devant la porte, je doute qu'il en reste ici. Par contre, là on a encore 4 survivants, mais je ne pense pas que ça va durer encore longtemps. Quatrième, parfait. Je trouve ça également assez dommage qu'on ne puisse pas leur donner des ordres, genre juste des trucs basiques, hein, rester là ou avancer. Des trucs basiques, quoi.
Voyons voir. Je vais garder le RPK parce que il est en bien meilleur état que celui que j'ai de l'autre côté à la gare de Yanov. C'est-à-dire sur la map de Jupiter, la deuxième map. Tu vois, il y aura peut-être même moyen de le récupérer avec un kit de réparation. Alors pour le reste... Voilà. Je crois qu'il n'y en avait pas plus. Il y avait une roquette de RPG. Bon, c'est ici que ça va se compliquer également. Là, il y a un артефакт, sauf que c'est une méduse, donc ça ne vaut pas la peine de prendre des radiations sur tout le reste du chemin. Explosif. Ça, ça me donne une petite idée. Эй, смотри, тут открыто все. On va un peu tricher. Bon, il vaut mieux éviter, je crois, que cela soit tout proche de nous. Non, on cavale. Ah, t'as vu, si on a un qui recule plus loin dans le tunnel. Après, il faut voir si ça fonctionne comme prévu aussi. Sinon, je serai un peu déçu. Bon, j'attends qu'il se remette en position. Plus en sécurité ici à l'intérieur. Également, je crois qu'il est moyen de passer là normalement. Sauf qu'avec le mod et le fait que j'ai pris la classe Salter, je ne peux pas m'accroupir au maximum. L'autre sniper ici. Il doit être mort, je crois. Les explosifs, là, je suis un peu déçu. Quoi ils servent, franchement? Так, путь открыт. Идем? Торчать здесь точно смысла нет. Те двери не худший вариант. Je crois que j'ai eu les deux. Sûr de rien. Les quatre ont survécu. C'est juste que j'ai mis l'explosion un tout petit peu trop loin, donc il y a que le sniper qui s'était pris dans la gueule. Bon, je suis fixé, ça a fonctionné. SG, elle est en plutôt bon état, sauf que c'est une SG négligée.
foudra rien, mais si ça répare. Jeter les armes près de mes alliés, peut-être qu'ils vont en récupérer une, surtout lui. Ah, ok. Je ne sais pas en fait s'ils génèrent les munitions comme ça. Si, ils ont besoin qu'on leur en jette aussi. Друг, слушай, я тебе чего скажу? Друг, я... Друг, слушай, давай потом поговорим, а? Ça aussi. Ça aussi, je vais bazarder. Le colt ici, je vais le garder. Il est plutôt bon état. Друг, слушай, давай потом поговорим, а? Pendant un instant, j'ai eu peur, là. Il y avait un quart, mon ami. Oui, j'allais oublier un gros détail. Scientifique qui elle me permet d'avoir un petit peu plus d'endurance. C'est une charge de 142 kg, je comprends que. Même avec un peu plus d'endurance, je ne puisse pas courir des masses. Je peux marcher, je ramasse tout ce qui passe. Hein. Un petit morceau, je fais un peu d'endurance. Gaffe à ce que vos alliés en fait ne dont les anomalies. Laissez-les passer devant. Какое-то чувство нехорошее.
Là, il devrait rester encore un Toscano, mais surtout le Snork. Il est mort. C'est bon. Également, là, normalement, on est censé pouvoir y passer, je crois, mais avec le mode, on peut pas. Là, il va y avoir le botomisé. J'arrive plus à tomber sur leur nom. J'ai peur avec les types derrière moi, là. Похоже, мы уже под Припятью. Чую, выбрались. J'y crois pas, j'ai survécu avec les quatre types, quoi. C'est un putain de petit vol. Здесь явно не курорт. Genre, ça doit arriver une fois tous les 1000 ans. Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, а не наши шкуры. Лишь бы автомат не клинил. Да патронов хватило. А так прорвемся. Оружие на землю! Быстро! Не стреляйте! Я лейтенант Соколов, СКАТ-4, второй пилот! Следую на точку Б-28! У меня есть информация для Ковальского. Проведите меня к нему. Ты знаешь Ковальского? Ты кто такой? Зачем тебе полковник? Майор Дегтярев, СБУ. Прибыл для расследования провала операции «Фарватер». Сталкеры помогли добраться до Припяти. СБУ? Какого хрена? Так и знал, что тут не все так просто. Да, дружная компания. А вы думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все прошли. Долгая дорога была. Хорошо, следуйте за мной. Без меня. У меня с военными дел нет. И с СБУ тоже. Ты! Стоять! Оставь, капитан. Пусть идет. Ладно, хрен с ним. Следуйте за мной. Короче, слушайте. Мне все равно, кто на кого работает. Voilà.
Je vais également lire la conversation parce que il parle pas. Ça fait encore un peu vide. Bonjour, je suis le colonel Kowalski, commandant de cette unité. Je suis le major Dektryev, SBU. J'ai pour ordre d'enquêter sur les raisons de l'échec de l'opération Fairway. Je vois, alors écoutez-moi, major. L'opération est partie en vrille en même temps que nos hélicoptères. La moitié de mes gars sont morts et le QG est injoignable. J'ai autant envie que vous de connaître les raisons de l'échec de cette opération. Des idées ? À mon avis, les hélicoptères ont été abattus par une arme aussi puissante qu'inconnue. Les combattants du monolithe en ont utilisé une contre nous lors du premier assaut de la centrale. J'ai l'intention de récupérer l'une de ces armes pour l'étudier. Nous avons localisé l'unité du monolithe qui transporte l'arme et un groupe d'assaut se tient prêt à l'attaquer. Vous voulez participer à l'opération ? J'accepte à la condition que vous me fournissiez toutes les informations en votre possession et me laissiez une liberté d'action totale. Bien sûr, major. Par contre, vu les circonstances, je n'ai pas beaucoup de choix. Au fait, allez voir le lieutenant Kirillov, il vous donnera un peu de matériel. Voilà, donc ici on peut demander un peu plus d'informations. L'équipe d'assaut et vous devez vous rendre au point A17. Le capitaine Tarasov va vous indiquer où il se trouve. Vos cibles sont dans deux ailes de l'hôpital reliées par un passage. Les combattants du monolithe sont actuellement dans l'aile ouest. Vous devez leur tendre une embuscade dans l'autre aile. Leur meilleur homme est probablement équipé du fusil. Qu'est-il ? C'est très probablement le chef de l'unité. Il a été vu en train de sermonner ses soldats, soyez prudent, il ne sait pas de quoi il est capable. Bien compris. Voilà, donc. On va voir un peu tout le monde. Comment ça va ? Tout va bien, mais je veux vraiment comprendre ce qui nous est arrivé. Également. Vano, comment ça va? Ça va pas mal, je veux dire, c'est pas facile, mais on va s'en sortir ensemble, tout est possible. C'est arrivé à Stingray 4. Aucune idée, j'avais un mauvais pressentiment dès le début de cette opération. On volait en pilote automatique, tout se passait bien, et tout d'un coup les systèmes électroniques ont rendu l'âme et on a piqué tout droit vers le sol. Le pilote et moi avons essayé d'atteindre une surface dégagée, mais ça n'a servi à rien. On s'est écrasé sur le toit de l'atelier principal de l'usine de Jupiter. Je suis le seul à m'en être sorti. Il y a d'autres soldats ici, on peut leur parler, mais ça ne nous avance à rien. Je vais déposer tout le bordel dont je n'aurais pas besoin. Également, si on veut absolument retourner à Jupiter, on peut emprunter le tunnel par lequel on est sorti. Ça va directement nous téléporter dans la station de Yanov. Ici, j'ai absolument envie de... rester pour m'occuper de ce dont je dois m'occuper, tout simplement. Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, они наши. Voilà, lui, on peut lui demander des munitions. До патронов хватило. Malheureusement, comme je l'ai déjà expliqué, il n'a pas de munitions spéciales comme les nouvelles armes en ont. Donc on va juste demander du 5.56. Deux fois, je vais demander des grenades M203 pour le lance-grenade sous le canon. Et complément d'une armure, il nous donne tout un tas de médicaments et de la bouffe aussi, je crois. Non. C'est pas lui alors. Ça doit être le médecin. On peut également réparer notre équipement. Je ne sais plus si ça coûte moins cher en fait que chez un ingénieur normal. Mais dans la version vanilla du jeu, ça coûte moins cher. У нас во взводе один был. Так тот как отмочит. Regardez une certaine mission performante. Ну, прибывает как-то на кордон к блокпосту генерал. И спрашивает у одного из срочников. Фурнитура медикаль. On n'a qu'une seule fois et on peut également lui demander de nous soigner. En l'occurrence, pas bien.
Ну, я согласен, что людей надо от зоны беречь. 5h48, donc генерал улыбается. Какой сознательный солдат. Один был, так тот как отмочит. Вот например. Генерал получает штабных. И запомните, очень часто после проверки боем оказывается, что надежный тыл на самом деле является беззащитной жопой. De soins parce que ça prend énormément de place. На крышу. Остальные за мной. Всем занять позиции. Подождем, пока дойдут до центра двора. А.
Parfois ça arrive, je sais pas pourquoi, mais à se faire plaisir avant même que la mission ne soit vraiment lancée. Le bug assez chiant, c'est que si on utilise un fusil d'assaut et qu'on a un petit coup de freeze juste au moment où on tire, on va tirer en full auto comme un gros abruti, même quand on lâche la touche pour tirer, et ça vient tout juste de m'arriver. C'est assez chiant, surtout quand on est devant un ennemi. Parfois aussi ça fonctionne dans le sens inverse. On est devant un ennemi, on veut tirer, mais en fait ça tire pas. Bon, ça arrive vraiment quand notre PC a vraiment un petit peu du mal à faire tourner le jeu. Et ici, en plus de frappe, c'est du coup que ça n'arrange pas les choses. Лютая смерть тем, кто отвергает его священную силу. Я убил его.
Ne inquiétez pas, après je vais faire le tri avec les armes. Sinon ça va être un beau gros bordel. Faire simple, tous les pistolets, on va les bazarder, c'est ce qui vaut le moins, donc ça sert à rien de les garder. En général, après avoir été à Pripyat, quand on revient sur Jupiter, etc., les marchands ont un bien meilleur inventaire. Survécu. J'en doute, en général, ils se font tous poutrer. Attention, cristal. Ouais, il y a mieux, franchement. En principe, on était ces deux-là. Celui qui est monté sur, sur le toit du petit bâtiment. Le type avec lequel on était à l'étage. Il devrait se trouver ici. Enfin, c'est vrai qu'il se déplace quand on a tué les trois types dans la cour, normalement. C'est assez intéressant. Les 2-3 kits de soins scientifiques, c'est les plus performants. Normalement, il y a un dernier là au-dessus. Après, son corps peut très bien déjà avoir disparu. On va voir ça. Il est bel et bien là. Alors, VSS. Maintenant, je ne peux plus me déplacer, je crois. C'est très bonne arme. Je ne sais même pas si c'est
considérer. Non. Je vais bazarder ceci. C'est une arme qui coûte moins cher que les autres que j'ai. Et ça se garde. Je peux me déplacer déjà comme ça, c'est bon. Je me permets de vraiment avoir un très très gros équipement sur moi, vu que c'est vraiment très proche, sinon je ne l'aurais pas fait. Ça aurait pris beaucoup trop de temps de retourner à la base. Déjà qu'ici ça va être pas mal. Mais d'ailleurs, il y a moyen de retourner à Jupiter par ce passage-là. Et quand on est à Jupiter, on peut... Enfin, j'ai jamais essayé pour l'instant, mais apparemment, il y a bien moyen de passer via... Pas via le tunnel, mais bon, il y a un endroit apparemment où on peut aller pour directement retourner à Pripyat. Ici j'aurai déjà tout mon équipement, donc j'aurai pas de problème à me faire pour les prochaines vidéos. Это ж надо такое, до Припяти дойти без происшествий. И как ты только этот путь нашел, ума не приложу. Сложного тут ничего нет. Сноровка нужна и малость удачи. Вот нам и повезло. А то, может, зона наградила за терпение. Я ж с учеными вон сколько торчал. Да, Герман меня да. тоже успел достать. КСВК. Фузи. Антитанк. Il y a moyen de l'acheter, justement, normalement, vu que j'ai fait donc le passage à Pripyat. Si je retourne à Jupiter, il y a des chances que les vendeurs me proposent justement un KSVK. Il doit me rester un petit peu de temps, je pense. Enfin, je vais retourner justement à Jupiter. Je reprends mon bordel. Bon, je voulais pas faire ça. Bon, je suis un tout petit peu trop chargé. Ça va permettre de voir combien de kilos. Ça se déplace. Si je peux au moins. C'est là, avec un peu de chance, si j'ai un kit de réparation, je vais l'utiliser, vu que j'ai également des morceaux d'armes. Vu qu'elle est vraiment en bon état pour une arme qu'on m'a trouvée à terre, j'aurais peut-être moyen de la réparer au maximum. Par contre, en parlant de réparer pour mon équipement, SG avec un morceau d'habit qui lui fait 7%, il m'en faut 9. Ok, une d'acier, 8, allez. Cher ici. Donne un artefact nul que je me ferai le plaisir d'aller revendre sur la première map qu'il va falloir y retourner pour justement trouver des plans pour la réparation du fusil d'os. Bon, F2000, tiens. Thank you.
pas besoin de l'artefact vulte, ce qui m'empêche pas pour autant de lui vendre le cristal. C'est pas un gros retour, mais voilà. Ну что, есть что-то новое? On dirait qu'il a le même inventaire que de l'autre côté. Même prix. Давай, давай, не задерживай. Что там? Да-да, прощай, прощай. Ça a très vite retiré les radiations, bien que j'en avais pas beaucoup. Ce... Voilà, tout ce que j'avais. Ah non, j'avais ça, tiens. Ну, привет. Tant pis. Je sens que les gens nous vendent quelque chose encore. Bon, tant pis. Quoi? Ouais, si, maintenant, je m'en rappelle. C'est vrai qu'en fin de compte, il faut vous rappeler. J'ai sauté une étape en fait et j'ai voulu apporter directement le fusil Gauss. Ici. Tu vois? Сейчас два? Да не может быть. Ben voilà. Bon, en fait, j'ai sauté une étape parce qu'en principe, on devait d'abord montrer l'arme à Kowalski, donc notre supérieur en grade, qui était censé nous demander simplement de réparer l'arme. Ce que j'ai directement été faire sans d'abord lui montrer, donc c'est pas encore trop grave. Bon, bah avec ça dans la prochaine vidéo, il faudra un petit peu attendre que Cardone finisse sa gueule de bois et que l'on puisse alors aller chercher les documents nécessaires à la réparation du fusil Gauss. Здравствуй. Au niveau de la forêt de fer, ça va être assez génial. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, à plus tout le monde, et bon frag.